Allez, vite, 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 accélère. Vite, 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 vite. Allez, 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 allez. Vas-y, 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 vas-y. Oh, j'arrive, j'arrive. Ah ouais, mais à chaque fois, il y a la fin de la piste. Ah, c'est dommage, c'est dommage. Salut à tous, c'est Zetax. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo test sur GTA V Online. Donc, comme vous avez vu déjà le test, on va pouvoir le décortiquer. La T20 est allée très très vite dès le début. Le Luxor a un petit peu galéré. Le Luxor est un jet privé, il est assez lourd quand même. La T20 est une super sportive, elle est très légère. Son ergonomie lui permet d'aller très très vite. Comme vous l'avez vu, je ne sais pas si vous savez, mais un avion au décollage va très très vite sur la piste d'atterrissage. Mais bon, la T20 va quand même beaucoup plus vite et du coup ça fait 1-0 pour la T20. Ne vous inquiétez pas, j'ai fait d'autres tests, je vous les proposerai tout à l'heure et je vous dis à la fois prochaine.